T'as entendu. Tu iras à Omori, un point c'est tout. Attends, où est-ce qu'on va vivre? Tous mes amis vont aller au lycée d'ici et nous, nous déménageons! La maison dans laquelle nous irons est énorme. Elle appartenait auparavant à Tante Ruby. La nouvelle école où vous irez s'appelle Akoni Academy. Elle est connue pour son prestige et sa fantaisie. Vous feriez mieux d'être ravi. Maman, je me suis fait tellement d'amis pendant la période où nous étions ici à l'école. Tu penses vraiment tout gâcher en partant à Omori? Je suis désolée. Le nouveau boulot de papa est bien mieux payé que celui qu'il a actuellement. Tu te feras sûrement de nouveaux amis. Ok. Par contre, il n'y a pas de vol direct ici à Omori. Donc on va faire 12 heures de route en voiture. On va rouler en voiture pendant 12 heures? Nous avons enduré le voyage en avion depuis la Suisse jusqu'au Japon. Tu ne devrais pas faire stresser maman plus que d'habitude. Vous savez quoi? Vous avez raison. Je vais faire mes valises, maman. Merci. Bonjour. Pourquoi la télé est allumée? Qui que vous soyez, montrez-vous! Cool. T'aurais dû voir la tête que tu faisais. Hein? Qu'est-ce que tu fous là? J'ai pensé que, vu que c'est le dernier jour avant la rentrée, j'avais décidé de te faire peur. T'es tellement horrible avec moi. Comment t'as fait pour rentrer chez moi? T'as même pas fermé ta porte à clé. Je savais pas qu'il commençait à faire ce genre de choses. Sors de chez moi si tu veux bien. Pas de soucis. Mon Dieu, je dois m'assurer que Cole ne recommence pas ses bêtises. Dis-moi, on est bientôt arrivé? Attends. Je pose cette question alors que c'est la nuit et que tout le monde dort. Attends, la voiture roule! Qui l'a conduit alors? Moi, gros malin! Maman s'est endormie alors j'ai pris le volant. D'où t'as appris à conduire? J'ai été grave paniquée pendant une seconde. Ah! Je croyais que tu parlais pendant que tu dormais.
Tu m'ignores, comme toujours. Non, je ne ferai pas ça, rassure-toi. Si, quelqu'un comme toi ferait ça. Tout simplement parce que je sais que t'es qu'une sale petite menteuse qui réussit à tromper tout le monde, sauf à moi. Ça reste un secret entre toi et moi. Sinon, je trouverai certainement un moyen de te pourrir la vie. J'en vois même pas la peine de lui répondre. Je souhaite grandement raconter au monde tes stupidités. Pourquoi il réussit toujours à entuber les gens, bon sang ? Je la déteste ! Kids, it's me, Danny Kyoto, everyone's favorite furry. I'm here to say thank you for sticking with us and watching WGTS. Remember to like, subscribe, and ring that notification bell. And remember, plus ultra!